Le renard de son repère voit s'en aller la vipère sous la faux bien déguisée qui fait route sur les blés. L'alouette malheureuse au passage d'une lieuse bien en vain siffle sa peine aux trois chevaux qui la traînent. Et les gerbes sont emmenées dans les charabancs usés pour y être entassées sur une aire crevassée. Tout près du vieux poulailler, le canard et le dindon se chamaillent à picorer les brindilles de la moisson. Quand le soleil sur nos mains fatiguées faisait peser le poids de son zénith, il fallait bien que les blés soient rentrés. Et quand le soir enflammait le granit dans les lits clos, sonnait l'heure du repos. En septembre cette année, la machine était placée à Kergov pour commencer, à Kergal pour terminer. L'avoine et le blé s'enfilent dans le bruit de l'engrenage, les bottes de paille défilent dans le rythme du battage. Quand le soleil sur nos mains fatiguées faisait peser le poids de son zénith, il fallait bien que les blés soient rentrés. Et quand le soir enflammait le granit dans les lits clos, sonnait l'heure du repos. Les semailles pour l'automne sont portées dans les greniers, alors entre deux relèves dans la journée qui s'achève. Quelques souris en cachette chantent dans la balle jaune au fond d'une vieille couette sur un air de dérobé. Quand le soleil sur nos mains fatiguées faisait peser le poids de son zénith, il fallait bien que les blés soient rentrés. Et quand le soir enflammait le granit